Feu. Ouais. Salut à tous, mercredi 18. Pour le WOD, on va avoir un 4 time avec 50 burpees, 50 lateral lunge et 100 single arm row. En warm-up, jumping jack x10, vous allez avoir Seb à la démo. Yes. Mountain climber x10, et ensuite, donc ça 3 rounds, et ensuite shoulder opener. Pour la mobilité, le sofa stretch et le frog stretch. On va faire vous une démo aussi, des mouvements. Allez, on change, on passe aux démos. Jumping jack, ah il est chaud là. Allez, jumping jack, on saute sur place. On écarte les jambes et les pieds en même temps et on fait ça 10 reps. Ensuite, le mountain climber, on se met au sol. Et on va ramener les genoux proches des coudes. Voilà, comme si on était en train de courir en ramenant les pieds sur les pointes. On se redresse, on reste à gainer sur tous ces mouvements. Pour les shoulder openers, on prend bah pareil, bouteille d'eau, bouteille d'huile, paquet de pâtes. De toute manière, ça ne vous servira à rien, toutes les pâtes que vous avez chez vous. Il faut bien qu'elles servent. Et ici, on vient faire ici, voilà, shoulder opener. Donc là, ce qui va être super important, c'est la tension au niveau des pecs, au niveau des dorsaux. C'est une tension volontaire. Donc ne l'oubliez pas. Et on fait 5 flexions. Ensuite, 5 flexions en prise marteau. Ensuite, on fait 5 élévations. Toujours pareil, vous vous arrêtez dès que vous sentez que la tension s'arrête, dès que vous sentez que vous perdez la tension au niveau des pecs et des dorsaux, on arrête. Limite, les poids, ce n'est pas forcément nécessaire sur ce mouvement. Okay. Et ensuite, la même chose, 5 reps en prise marteau. Et on vient faire ça 2 fois au total. Okay. Imaginez que vous abaissez votre épaule vers le bas pour faire l'exercice, ce qui va faciliter la tension dans les muscles. Pour le four time, non, pour la mobilité, le frog stretch. Sofa stretch, vous savez ce que c'est. Le frog stretch, on vient le faire ici en dynamique. Ici, on appuie avec les coudes, voilà, pour ouvrir et on referme. On ouvre et on referme. On fait ça une 20aine de fois. Et pour le WOD, 50 burpees, 50 lateral lunge, 100 single arm row. Les burpees, okay. Vous connaissez. Les lateral lunge, on prend un pied d'écart, ce qu'on vous a montré aussi lundi. Et ici, voilà, on descend, on se redresse, on descend et on se redresse. Ok. Pour le single arm row, alors c'est là que ça va être intéressant. On prend un sac à dos, on prend n'importe quel objet qui est lourd à la maison. Ok. On met des pattes, on met ce qu'on veut à l'intérieur et on vient ici tirer. Activer, voilà, le tirage. Si vous manquez d'amplitude, si votre sac touche le sol, si vous avez la possibilité, montez sur votre table de cuisine, montez sur un lit qui est peut-être un peu plus élevé, mais toujours pareil, voilà, on active et on vient faire ça. Vous aurez 100 reps à faire, donc 50 de chaque côté. Voilà, c'est tout pour le 18-3. Allez, à bientôt les cœurs.